Le ressuage est une méthode de contrôle non destructif rapide, peu coûteuse et très efficace pour détecter les défauts débouchant d'une pièce. Jusqu'à il y a peu, l'eau utilisée pour nettoyer les pièces était stockée dans des bidons en plastique qui, lorsqu'ils étaient pleins, étaient transvasés manuellement dans des grands fûts de 200 litres. Ces fûts étaient ensuite envoyés par camion vers une station de filtration-retraitement. Environ 3 tonnes de liquide pollué étaient ainsi transvasées et envoyées chaque année pour retraitement par la route. Mais aujourd'hui, l'IFAT dispose d'une chaîne de traitement des eaux et peut donc procéder différemment. L'eau sale, utilisée pour le ressuage, est récupérée dans un petit bac, puis envoyée automatiquement grâce à une pompe vers la station de filtration. Il n'est donc plus nécessaire de transvaser et transporter des produits polluants et dangereux, ce qui élimine les risques de débordement et diminue fortement l'impact carbone.